Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de Pokémon version rouge-feu en random Nuzlocke. Et aujourd'hui, c'est la ligue les amis. Et voilà, comme vous l'avez vu juste avant dans la petite partie avant au début de la vidéo, j'ai XP l'équipe, mais je l'ai pas beaucoup XP. Enfin pas beaucoup, ça m'a quand même pris une heure, donc bon, pas beaucoup, voilà. Pas beaucoup, c'est un grand mot quoi, parce que j'ai quand même mis pas mal de temps à tous les augmenter. Il n'y a que Or Massif que j'ai pas augmenté, mais sinon voilà, niveau 49, 47, 47, 43 et 42. Alors je sais très bien que la ligue a un niveau beaucoup plus élevé que ça, mais je pense qu'avec le talent c'est faisable, parce que dans Pokémon version Ruby, dans Pokémon version Ruby, j'avais battu une ligue en étant niveau 40 en Nuzlocke Challenge. Donc, ça prouve bien que c'est possible. Voilà. Ce qu'on va faire, déjà, c'est on va regarder toutes les CT utiles qu'on a et qu'on pourrait apprendre à nos Pokémon. Du genre Dracogriffe. Voilà. Du genre, déjà ça. Hop. Sky Legend, tu prends. Oui. Alors déjà, hein, rien que ça, hop, Dracogriffe, on enlève Ouragan, on va lui mettre Dracogriffe à la place. Déjà, ça c'est fait. Donc ouais, on va apprendre toutes les CT un petit peu utiles, quoi. Hop, alors déjà, ça c'est fait. Ok, Vibra quoi, ouais, non. Toxique, on va le mettre à quelqu'un, ça c'est clair. Je pense plutôt le mettre à diamant toxique, honnêtement, parce que il faut jouer la stratégie de diamant, vu que c'est un gros tank défensif, c'est sur lui que ça ira le mieux, je pense. Mais après, après j'ai pas vraiment d'attaque à lui enlever. Du coup, on va le mettre à un autre. On va plutôt partir sur. Sur Spectre, ouais, ça me paraît être une bonne idée. Comme ça, je fais Hypnose, Toxique et Dévorève, le combo dévastateur. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Du coup, on va enlever Onde Folie. Parce que Onde Folie, honnêtement, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, on lui met Toxique. Voilà. Hop, ça c'est fait. Deuxième capacité... On a mis Grêle, non. Gonflette, ça pourrait être utile, mais personne peut l'apprendre, donc pas grave. Balgren, non. Blizzard, évidemment. Blizzard, je pourrais le mettre à la place de Vanglace, mais ça craint, je préfère pas. Giga Sensu, est-ce que quelqu'un peut? Ouais, il y a Spec qui peut, mais il n'y a pas vraiment d'attaque à lui enlever, donc non. Séisme, on va mettre. Ça, direct, c'est pour Obélix, hein. Clairement, ouais. Pour Obélix ou pour Or Massif? Je sais pas, on va voir sur Or Massif si... Ouais, on va le mettre sur Or Massif plutôt. Et on va mettre Tunnel sur Obélix. Ouais, voilà, on va faire ça. Je pense, j'espère qu'il peut apprendre Tunnel. Ouais, on va faire ça. Donc on va mettre Séisme à la place de... Mur de fer, honnêtement, je pense pas m'en servir. Hein. On va mettre à la place de mur de fer. Ok. Donc ça, c'est fait. On lui a mis séisme. C'est parfait. Ok. Casse-brique. À casse-brique, ça c'est un truc à mettre à Obélix. Ça, clairement... ouais, du coup, on va pas lui mettre tunnel à Obélix, mais on va lui mettre casse-brique. Hein, tunnel, on s'en fout. On va enlever du coup grincement. D'ailleurs, il a appris machouille Obélix hein, pendant que j'ai XP. Donc, ouais, on va lui mettre casse-brique et tunnel, on s'en fout. Parce que tunnel, c'est pas top, tunnel. Donc, ouais, on va pas lui mettre. Ok, parfait. Onde de choc, ça peut être bien. On va peut-être le mettre à Sky Legend, mais on va voir si on n'a pas d'autres trucs. Déflagration. Alors, déflagration directe. C'est pour Aiko, hein, ouais, clairement, allez.
Parce que Flamèche, voilà, on va dire que c'est un peu de la merde. On va enlever Vive Attaque plutôt. Voilà, déjà lui, on lui met Déflagration. Hop. Ok, parfait. Tombe Roche aéropiqué. Ok, repos attraction. Aile d'acier. Ah, surchauffe. Surchauffe. Ouais, j'aurais dû mettre surchauffe à Ico et déflagration à Sky Legend. Ah, c'est con ça, c'est con. Bon, c'est pas grave. Aile d'acier. Non, on va pas lui mettre. On va pas lui mettre. On va du coup mettre onde de choc pour, bah, pour Sky Legend. Onde de choc du coup à la place de... Est-ce que ça peut paralyser? Impossible à esquiver, mais bon. On va mettre à la place de cage éclair. Parce que honnêtement je m'en sers pas très souvent. Donc voilà, on met à la place de cage éclair. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait mettre. Du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on a des super bonbons. Je sais pas où ils sont, mais on va les trouver. Et ben voilà, ils sont là, ils sont au tout début. On en a 5. Et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est que vu que Or Massif c'est le plus fort, on va mettre les 5 sur lui. Comme ça on va le rendre encore plus cheaté. Voilà. Niveau 51. Niveau 52. Niveau 53. Niveau 54. Et niveau 55, ça c'est cool, voilà. Donc ça c'est fait. Et en plus, il veut apprendre la fameuse attaque point météore. Et bah tant mieux les gens, tant mieux. Comme ça, ça lui fait une attaque over cheat. Parce qu'il faut savoir que point météore, il me semble que c'est l'attaque acier la plus cheatée. Alors en 3ème génération, c'est puissance 100. Mais il me semble qu'en 4ème génération, c'est puissance 120. Je suis pas certain, mais il me semble. Donc ouais, donc l'attaque acier la plus puissante du jeu. Donc et en plus ça peut augmenter l'attaque hein. Donc autant dire que c'est complètement over cheat. Donc on va enlever griffe acier évidemment. Ok, parfait. Et du coup bah maintenant du coup on va partir sur la blinde de guérison et trucs dans le genre hein. On va acheter la blinde. Déjà des guérisons. Combien on peut en prendre? Oh, on peut en prendre la masse. Allez, on part sur 30. Et du coup, on va prendre des potions max aussi. On a des super. Des hyper potions en masse aussi. Donc, allez, on va en prendre 10. Et ça suffira. Ok, bon excusez-moi pour le petit moment où j'ai coupé mon micro parce que j'ai éternué, donc voilà. Du coup, ouais. Du coup on est plutôt pas mal là. Du coup je pense qu'on est prêt. Avant ça je vais faire une petite ellipse, le temps de me moucher. Donc à tout de suite. Ok, re tout le monde. Donc on est parti, let's go. On est parti, on a Or Massif en premier. Toute notre équipe est soignée, toute notre équipe est au top. Et on est parti pour cette ligue Pokémon en random. Donc c'est parti, premier combat. Bienvenue à la ligue Pokémon. Je suis Olga du conseil des 4. Je suis la maîtresse des Pokémon glace. Personne ne peut me les battre. Les Pokémon seront mis à ma merci une fois gelés. Ah ah ah, c'est parti. Et bah c'est parti. Versus le premier membre du conseil des 4, Olga, va-t-on gagner? Telle est la question, et oui, telle est la question. 5 Pokémon, c'est random. Ça commence du Watt-Watt. Ok, Watt-Watt, posé. On va le battre facilement. Watt-Watt déjà. Du coup, bah, on en profite. Le petit séisme qui fait plaisir, le petit séisme des familles. Let's go. Ok, parfait. Ok, parfait, il est mort.
parfait, il est mort, nickel. Ok, c'est cool. Démolos. Démolos, oui. Démolos, on part sur Sky Legend, on va faire un petit surf, hein, je pense. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Sky Legend, qui est plutôt cheaté, hein, deuxième plus cheaté de l'équipe. On part sur un petit surf. Morsure, ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Le petit surf qui devrait faire plaisir, hein. Je pense que, voilà. Ok, moitié midlife, c'est plutôt pas mal. Hop, on lui remet un petit surf et il change. Lamantine, ok. Alors, Lamantine, ça va poser quelques problèmes. Va falloir switch, là, parce que... petite onde boréale sur Sky Legend, et autant dire que c'est fini. C'est fini pour lui, s'il se prend une... onde boréale, allez, on passe sur diamant. On passe sur diamant. Hop, il fait quoi? Un laser glace. Normalement, avec diamant, on peut se le faire assez facilement, je pense. Ouais, il fait pas beaucoup de dégâts, clairement. On va partir sur un pouvoir antique en espérant d'augmenter nos stats. Bélier, ok, il fait bélier. Il fait bélier, ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. Pas de problème. Un petit pouvoir antique. Allez, s'il pouvait augmenter les stats, ça serait le top. Allez, augmente les stats. Ah, il a pas réussi. Allez, on repart sur pouvoir antique. Il utilise glaciation. Oh, le bâtard, il a réussi. Oh, putain, c'est dégueulasse, les gens. C'est dégueulasse. Moi, je vous le dis, c'est dégueulasse. Putain, diamant. Non, mais glaciation, quoi. Oh, l'enfoiré. Vas-y, on va mettre Obélix. C'est un risque, hein, de mettre Obélix, mais je pense que c'est un petit peu la seule chance. D'autant plus que le sable volant, ça va être plutôt utile. Ah, c'est pas bon, ça. On perd déjà un Pokémon, hein. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon du tout. Glaciation. En termes d'attaque one-shot, ce Nuzlocke est quand même maudit, hein, parce que les deux seuls Pokémon qu'on a perdus, on se les a fait one-shot par des attaques qui one-shot à tous les coups. Guillotine et Glaciation. Et les deux, ils ont pas raté, quoi. C'est ça, le pire. Et Glaciation. Non, mais tu te fous de ma gueule. Oh non, Obélix. Oh là 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 là. Oh, Obélix. Oh non. Oh là là. Oh, c'est la misère, les gens. C'est la misère. C'est quoi ce Lamantine de mes couilles? Oh. Ah, c'est vraiment... mais vraiment de la malchance de dingue, là. Bon, allez. Or massif. On croit tous en toi. T'es le plus cheat. Tu vas le buter. Point météore. Ok, le point météore qui passe. One shot. Ok, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu, on l'a eu. On l'a eu. Il nous a tué deux Pokémon, l'enfoiré, hein. Et c'est pas deux Pokémon pourris qui nous a tué, hein. Avec sa putain d'attaque glaciation, là. Ok, il rebalance le Démolos. Du coup, au moins, il nous reste Sky Legend. Au moins, on sait qu'on a encore le Sky Legend. C'est déjà bien. Alors, franchement, c'est dégueulasse de perdre des Pokémon comme ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté d'avoir perdu deux Pokémon pour un putain de glaciation. Enfin, pour un putain de Lamantine, surtout. Ok, alors là, on va faire un petit surf et il va mourir. Hop. Ok. Ok, c'est bon. Démolos, you're dead. Ok, parfait. Ouh, masse d'XP. Ok, ça c'est cool. Maryl. On va pas switch parce que Sky Legend, il a onde de choc. Il a onde de choc, donc on est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est, franchement, ça fout les boules d'avoir perdu deux Pokémon, surtout qu'on a perdu quasiment les deux meilleurs, hein. On a perdu quasiment les deux meilleurs. Ouais. C'est vraiment dommage. Allez, on part sur un petit onde de choc. Ok, normalement, c'est le one shot. Ah non, même pas. Ah ouais. Danse pluie, ok, bon, au moins on se prend plus les dégâts. Ok, du coup on va pouvoir le terminer facilement là. On lui fait un petit onde de choc et normalement il est mort.
Ok, le petit onde de choc qui passe. Ok, nickel, parfait. Parfait, parfait. Ok, c'est cool. Et Nostanfer. Nostanfer, on va partir sur un petit psycho, hein, je pense. Avec or massif, ça devrait passer plutôt bien. Un petit psycho, ouais, ça devrait être le one shot, je pense. Donc, ouais, ça doit être plutôt pas mal, je pense. Psycho, à mon avis, ouais. Ça va peut-être pas le one shot, mais en tout cas, presque. Hein. Si ça le one shot pas, je pense que ça le met dans le rouge. Tranchère, ok, pas de problème. Ça fait pas mal, normalement, oui, parfait. Ok, un petit psycho. Attention. Est-ce que c'est le one shot? Attention, Nostanfer. Et non, c'est pas le one shot, ça l'a mis dans le rouge. Bon, dommage. Ça baisse sa défense P, ok. Donc, même s'il balance une potion, on va pouvoir le tuer. On va pouvoir le tuer, c'est plutôt cool. Ok, il balance une potion. Enfin, une guérison. Ok. Psycho. Et normalement, il est mort. Ok. Bon. Bah écoutez, au moins, on a réussi à battre ce premier conseil des 4. Mais on a déjà perdu 2 Pokémon. Ce qui est bah, très chaud. Hein. C'est clairement pas bon du tout pour nous. C'est clairement pas bon, mais bon, j'espère qu'en tout cas on se reprendra pas des attaques glaciation, parce que on va dire que voilà, il y en a la dose pour l'instant des attaques glaciation et guillotine. Tu sais te battre, c'est bien, mais la ligue Pokémon te réserve d'autres surprises. Ouais, ouais, bah et j'espère qu'elle va pas me refaire des surprises foireuses comme elle l'a fait. Ok, parfait. Allez, du coup, on est parti pour le deuxième conseil des 4. Mon nom est Aldo du conseil des 4. Notre passion, hein, mes Pokémon et moi, c'est la muscule. J'ai passé toute ma vie avec mes Pokémon combat et c'est pas prêt de changer. Crawler, ton équipe, je vais en faire du yaourt à table. Et ben c'est parti à table versus Aldo, deuxième conseil des 4. Alors voyons voir ce qu'il va nous sortir lui du coup. Rafflesia. Rafflesia. Zéro problème normalement. Zéro problème. Zéro problème. Normalement, Psycho, ça devrait lui faire pas mal de dégâts. Hein. Normalement. Parce qu'il est aussi type poison, hein, faut le savoir. Ok, one shot, c'est parfait. Ok, déjà. On est bien parti là. Déjà, on est bien parti. Le Rafflesia, il est mort. Déjà, ça c'est cool. Suicune! Ouloulouloulou! Ouh! Ça fait mal. Là, je vous avoue que ça fait flipper le Suicune. Hein, parce que je sens. C'est obligé, il va nous. Il a Onde Boréale, donc Sky Legend c'est mort, on peut pas le mettre. Non, on va rester sur Or Massif. On va rester sur Or Massif. Parce que. Ouais. Les autres, ça va pas le faire, je pense. Allez, on part sur un petit séisme. Il fait brume. Il fait brume, ok. On va partir. Ouais, on va partir sur du séisme. Hein. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire d'autre. Ok, donc bon. Déjà un légendaire, hein, donc voilà. Ah, ok, on lui fait pas beaucoup. On va tenter le point météore, voir combien ça fait. Ouais, onde boréale. Donc heureusement que j'ai pas mis Sky Legend. J'ai bien prévu qu'il allait avoir ça. Ok. Point météore. Ah, il rate son attaque. Allez. On refait. Danse pluie, ok. Danse pluie, bon. Pas trop, trop problématique pour le moment. Point météore. Et c'est pas très efficace, ça je le savais. Ouais, mais ça lui met à peu près pareil en termes de dégâts. Donc, Psycho, peut-être que ça va lui mettre plus. Psycho, peut-être que ça va lui mettre plus, mais bon. Après, vu que c'est pas du physique, mais que c'est du spécial, Psycho, je sais pas, hein, franchement, si ça va lui mettre plus. Même si c'est stabé, je sais pas. On va voir ça. Ah ouais, ouais, ça lui met un peu plus. J'espère qu'il va pas se soigner. S'il se soigne... Ouais, allez, il se soigne. On va le faire rapide. Hein. Parce qu'il est en mode, je fais mon relou. Voilà, parfait. C'était juste le temps de le retuer du coup. Elector, non mais il est pas sérieux là.
Ah mais il est chaud Aldo, hein. il est chaud là, il envoie la patate. Il balance tout comme ça là. Elector, un petit Elector et tout. Tranquillou. Il balance Suicune, Elector, après il veut nous balancer quoi? Mewtwo, allez. Oh putain, niveau 56 en plus, hein. Ouloulouloulou, il va faire mal. Elector, il utilise détection, ok, détection, pas un problème. J'espère à tout prix qu'il va pas nous one-shot Spectre, hein. Si nous one-shot Spectre, on est un petit peu dans le caca. Cage éclair. Ok, bon, ça va. Ok, on l'a eu. On l'a eu. J'aurais peut-être dû lui mettre toxique au lieu de l'endormir. On va partir sur du Dévorève, on va voir ce que ça fait. Ah, on lui fait pas beaucoup, hein, on lui fait pas beaucoup. On va partir sur du Ténèbre du coup. On va voir si Ténèbre ça fait plus, mais parce qu'on sait pas si en termes de PV on peut pas vraiment savoir. Ouais, c'est à peu près pareil. Du coup, on va repartir sur du Ténèbre parce que c'est mieux d'utiliser Ténèbre tout simplement. Là, il va se réveiller, je pense. Non, il se réveille pas. Parce que, ouais, j'aimerais bien lui mettre du toxique. Il se réveille, ok. Détection. Ok, c'est pas grave. Toxique. Détection. Il échoue. Et on place le toxique, parfait. Ok, ça c'est good. Alors là, on va en profiter pour mettre un petit total soin. Voilà, ils sont là. Hop, parfait. Il fait détection, ok. Ok, ok, c'est plutôt cool. Il souffre du poison. Ok, bec vrille, résiste. Allez, résiste, please, please, please. Oui, yes. Spectre, t'es un BG. Et là normalement, on va l'avoir. On va l'avoir, Le poison, on va l'avoir. Le poison. Ok, nickel, on l'a eu. Yeah. Donc comme quoi, les niveaux ne font pas tout. Il avait 14 niveaux de plus, mais on a réussi à l'avoir. Ok, ça c'est cool. Galégon, on va partir évidemment sur Sky Legend. On va faire un petit surf, hein, ça va passer facilement, je pense. Ok, donc c'est cool. Bon, déjà on peut se dire que Spectre, il a servi à quelque chose, hein. Il a quand même tué un Elector, ce qui est assez ouf, hein. Parce que Elector, Elector c'est un UU, il me semble. C'est soit un OU, soit un UU. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas vraiment un Pokémon pourri, Elector, quoi. Ok, bon, Galégon, pas de problème. On la one shot, c'est parfait. Ok, Rafflesia, ok, encore un Rafflesia. Bon bah on va refaire la même que au début, hein. On va repartir sur du Psycho. Donc pour l'instant ça va, là Aldo on est en train de le gérer, c'est plutôt cool, hein. Je suis plutôt content. Aldo, si on tue le Rafflesia, on n'aura pas perdu de Pokémon. Donc on s'est un petit peu mieux débrouillé quand même que pour l'autre. Ouais, bon bah on va partir sur du Séisme, hein, du coup, vu qu'il n'y a plus de Psycho. Parce que Séisme, voilà, sur le type poison normalement, ça fait des dégâts plutôt pas mal, mais bon, vu qu'il est aussi type plante. Ok, coup critique, bon bah c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Il nous fait un parasport, ah, ça c'est con. J'espère qu'il a plus de potions. Comme ça, s'il a plus de potions, on fait un petit poursuite et ça passe. Mais il a des potions, ok. Bon. Ça fait mal. Ouh, ça fait mal, mon gars. Ça fait mal. On va partir sur une guérison. Voilà, on va partir sur une guérison. Parce que, ouais. Bon, il fait un petit peu mal quand même, hein. Avec son danse-fleur, là. Ah, mais c'était un coup critique, probablement. Ouais. Ça doit être ça. Allez, on part sur un séisme.
Ah, ça l'a pas tué, l'enfoiré. Ok, parfait. Bon, j'ai cru qu'il allait se soigner, c'est pour ça que j'ai accéléré. Mais bon, c'est parfait, il s'est pas soigné. Ok, bah écoutez, Aldo, on l'a battu. Pourquoi? Et mes muscles? Eh bah tes muscles ne font pas tout, c'est comme les niveaux ne font pas tout. Bien joué, ton prochain adversaire t'attend. Eh bah ça c'est cool. Du coup, on va y aller aux potions, hein. On va tous les soigner, enfin tous, surtout lui. Et lui, voilà. Hop, du coup on est parti. Let's go. Prochain conseil. Je suis Agatha du conseil des quatre. J'ai mise de grands espoirs sur toi. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Enfin, il y a très longtemps. Il veut juste frimer avec son Pokédex. Mais c'est stupide. Les Pokémon se servent à combattre. Roller, je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Et bah c'est parti, versus Agatha, la vieille mémé. Donc on est parti, let's go. Troisième conseil des quatre, Azuril. Ok, bon, pas de problème, déjà Azuril, ça va être du easy one shot, je pense. Ouais, un petit point météore, c'est du easy one shot, hein, je pense. On va voir ça, oui, c'est du easy one shot. Et en plus, il nous augmente notre attaque, donc c'est plutôt cool. Ok, donc déjà, ça c'est fait. Anorite, on va pas switch, on va partir sur un petit séisme. Je pense que ça va faire du easy one shot encore une fois. Parce que, en plus, notre attaque, elle a été augmentée, donc... bon, voilà quoi. Ok, voilà, c'est du one shot, c'est parfait. On est plutôt bien là, là on est bien. On est bien, il n'y aurait juste pas eu ces glaciations. En fait, on serait juste parfait dans cette ligue Pokémon. Voltali, on va laisser. On va faire du easy one shot encore une fois. Donc, c'est plutôt cool. Avec un petit coup de séisme, je pense que ça va faire du easy one shot. On va voir ça. Cage éclair. Cage éclair, c'est un petit problème. Il est paralysé, évidemment. C'était obligé. Du coup, on va partir sur un petit total soin. En espérant qu'il refasse pas cage éclair, parce que sinon ça serait un petit peu con. Et Fatal Foot, ça fait quand même mal, hein. On résiste. Oh, wow, il fait mal. On va partir en mode rapide là. Voilà, il a raté son attaque. Parfait, un petit séisme des familles. Il fait le Fatal Foudre. En espérant qu'il nous paralyse pas. Même s'il fait un coup critique, normalement il me tue pas. Oui, c'est parfait, il fait pas de coup critique, il me paralyse pas, c'est nickel. Un petit séisme des familles et c'est du easy one shot. Voilà, parfait. Alors ça c'est fait. Ok, cool. Après, Alligator, ça risque d'être assez chaud. Honnêtement, il me semble pas qu'il est crogivre dans cette génération. Il me semble pas du tout qu'il est crogivre. Donc logiquement, on peut se le faire easy avec Sky Legend. Logiquement. Normalement, il a pas. Ouais, il a pas crogivre. Puis même, il me semble que crogivre c'est. Ouais, non, je sais pas, mais normalement, il l'a pas. En tout cas, donc il devrait pas y avoir de problème. Ça devrait être plutôt facile. Ok, bon, on lui met pas beaucoup de dégâts, mais tant qu'on lui met des dégâts, ça passe, donc bon. On va y aller comme ça, en onde de choc. Hop, allez, on en refait un. On va se soigner après, hein, parce que bon, là, s'il met un coup critique au prochain coup, on est mort, autant le dire. Donc on va se soigner quand même. Et lui aussi va peut-être se soigner. Non, on va pas partir sur une guérison. Potion, ça suffit, voilà. Ouais, il se soigne. Bon, c'est pas grave qu'il se soigne. Ouais. On va tester vol pour voir si ça met plus de dégâts. Parce que c'est stabé et
c'est stabé et ça a plus de puissance qu'onde de choc. Et c'est du physique. Et donc, peut-être que vu les statistiques de Sky Legend, bah, ça fera plus de dégâts. Ouais, effectivement, ça fait même beaucoup plus de dégâts. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Bon, après, voilà, le coup critique, hein, évidemment. Le coup critique qui fait la différence. Par contre, le grincement qu'il nous a mis, c'est très mauvais pour nous. Hein, avec son tranche, ça risque de faire mal. Donc, si tu le tues là, ça serait parfait. Voilà, nickel. Ok, bon, bah, le alligator, c'est parfait, on l'a eu. Ok, Sky Legend qui passe niveau 50, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et Tropius, Tropius pour finir. Écoutez, je pense qu'on va partir sur du déflagration, excusez-moi. Ouais, ça peut être pas mal. Du déflagration. Damoclès, après, s'il fait Damoclès au niveau 58, ça risque de faire mal s'il fait ça. Plaquage. Résiste, please, tu résistes. Tu résistes, ok, parfait, il résiste, nickel. On va se soigner, hein, dans le cas où il nous fait une attaque trop cheat, on va voir ce qu'il a. On va se soigner un petit coup. Plaquage, il a l'air d'avoir que plaquage, apparemment. Hein. On va se re-soigner un petit coup, pour voir. Ouais, bon, bah, apparemment, il a que plaquage, donc allez, hein. Ok, c'est bon, il résiste, c'est normal, et bah non. Évidemment, fallait qu'il se loupe. Ok, il résiste, il est paralysé, mais il fait le déflagration. Ok, bon, parfait. Ok, cool. Hop, on balance de la guérison. Hop, 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 feuille magique. Ok, bon, bah, pourquoi pas, hein. C'est comme tu veux, mon gars, moi, ça m'arrange. Le plaquage, ok, j'ai cru qu'il allait faire coup critique, mais non, il est paralysé. Le déflagration qui passe, et oui, ça c'est bon. Encore un conseil, les gens, de vaincu sans perte de Pokémon. Ok, bon, bah écoutez, voilà, bien joué Aiko, comme quoi les niveaux ne font pas la différence. Il avait 15 niveaux de plus, et pourtant, je l'ai buté, et oui. Oh, pas mal, tu as du talent. Ok, bon bah c'est cool. Je vois pourquoi le vieux Shen t'apprécie autant. Je n'ai rien à ajouter, tu peux passer. Et bah écoutez, c'est plutôt cool, on va partir sur une petite guérison sur lui et des potions sur les deux autres. Ok, bon. Bah écoutez, let's go. Petit truc qu'on va faire aussi, on va mettre de l'huile sur... Enfin, de l'élixir plutôt, comme ça, ça va régène toutes les, tous les PP de toutes les attaques dehors massif. Je pense qu'on va faire ça. On va partir sur un petit élixir. J'espère qu'on en a. Ah bah voilà, on en a utilisé. Ok. Et les PP sont restaurés. Parfait. On est parti. Oh! Enfin! J'ai entendu parler de toi, crawler. Je règne sur le Conseil des Quatre. Mon nom est Peter, le dresseur de dragons. Les dragons sont des Pokémon mythiques. Les capturer et les entraîner est difficile, mais leur pouvoir est supérieur. Enfin, sont supérieurs. Ils sont presque invincibles. Le glas de la défaite et de la honte sonne de... Ouais, sonne pour toi. L'entends-tu, crawler? Et bah c'est parti. Versus Peter, l'ultime conseil des quatre. Va-t-on gagner? Va-t-on au moins vaincre le conseil des quatre, les amis? Telle est la question. Nosferalto, c'est parti. Ok, donc déjà... Déjà je pense qu'on part sur un bon truc. Nosferalto, on va partir je pense sur un one shot. Enfin easy one shot, voilà. C'est le truc easy one shot que j'ai totalement inventé dans cette vidéo. L'expression easy one shot. Est-ce que... Oui! Easy one shot, parfait. Parfait, parfait. Ça c'est cool, déjà ça c'est fait. Premier terminé, Oniglali. Oniglali, je pense qu'on va garder hors massif. On va partir sur un petit point météore. Ça me paraît pas mal, un petit point météore. Oniglali d'ailleurs. Préparez-vous, hein, méga évolution dans Rosa.
D'ailleurs, Rosa, qui sort très bientôt, hein. 2 jours seulement. Bon, après, j'ai toujours pas reçu de 3DS Capture Board, donc bon, pour l'instant, voilà, il faudra attendre, hein, mais bon. Rosa sort quand même dans très peu de temps. Voilà, ok, donc ça c'est fait, easy one shot, encore une fois. Fogler, je pense qu'on va repartir sur un petit point météore, hein. Ok, bon, bah, pour l'instant, franchement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est bon pour nous, là, on est plutôt bien. On est vraiment bien pour le moment. Ouais. Alors, est-ce que le point météore... Oui, le point météore qui passe. Est-ce qu'il va one-shot? On sait pas. Non, il one-shot pas, mais l'attaque augmente. Le Fogler, il a Blizzard. Ok, Blizzard, ça risque de faire quand même assez mal, hein. Même si, bon, heureusement, c'est pas un Kémorse. Ok, ça va, ça fait pas trop mal. La grêle continue. Ok, pas de problème. On va repartir sur un point météore et je pense que ça va le tuer, tout simplement. Ok, point météore. Ok, parfait, nickel. Bon, bah, ça, c'est nice. On l'a eu. Ou toutes, et ben on va partir sur un petit Ok, attendez. Non, on va rester sur or massif parce que son attaque elle a été augmentée, donc il va faire quand même de gros dégâts, je pense. Donc ouais, on va rester sur or massif. Ouais, ça me paraît plutôt bien. On va rester sur lui. Frappé par la grêle, ok. Ouais, on va partir sur un petit point météore encore. Allez, point météore, nickel. Et attention, easy one shot. Et encore l'attaque qui augmente. Ouh là là, c'est cheat. Quand je vous ai dit que point météore c'était over cheat, hein, c'était pas une blague. Et Altaria, bah malheureusement on n'a plus diamant. Notre diamant, malheureusement, donc on va devoir faire 100. On va tenter de le faire au point météore, du coup, hein, je pense. Ouais, allez, point météore, hein. Danse Draco, ok, faut faire gaffe. Après, là, on peut potentiellement le one shot, hein, vu qu'on a notre attaque qui a été augmentée 2 fois grâce au point météore. Je pense que ça peut le faire. Point météore, attention. Est-ce que c'est le easy one shot ou pas? Et oui, c'est le one shot, les amis. Et bah ça c'est cool. Du coup, on a battu le conseil des 4. Vous avez battu Rishkaret, enfin voilà quoi, Peter. Parce que bon, ils ont des noms yolo. Incroyable! Tu as bien mérité le titre de maître Pokémon. Comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques? Crawler, tu es désormais le maître de la Ligue Pokémon. Enfin, pas tout à fait. Une épreuve doit encore t'être imposée. Un grand dresseur t'attend. Son nom est Régis. Il a vaincu le Conseil des 4 avant toi. C'est le vrai maître de la Ligue Pokémon. Et voilà, évidemment, hein, pour tous ceux qui connaissent le jeu, Régis a battu la Ligue avant nous. Et du coup, on va devoir l'affronter pour obtenir le titre de meilleur dresseur. Voilà. Donc bon, on est plutôt pas mal. On a encore 4 Pokémon. Je pense que ça peut le faire. Allez, on est parti. Let's go. Salut, Crawler. Je t'attends depuis longtemps. Ton devoir en tant qu'adversaire est d'entraîner mes Pokémon. En améliorant mon Pokédex, j'ai cherché des Pokémon surpuissants. J'ai ainsi créé l'équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. Ça t'épate, hein? Je suis le maître de la Ligue Pokémon. Tu sais ce que ça veut dire? Écoute ça, minable. Je suis le dresseur le plus puissant du monde. Yeah! Ça m'a un petit peu défoncé la voix, hein. Je vous avoue, de faire la voix de Peter. Ça m'a un petit peu défoncé la gorge, mais bon, c'est pas grave, hein. Du coup, on est parti. Ok, il balance Kaiminus direct. Donc Kaiminus, honnêtement, ça va. Honnêtement, on est tombé sur un truc pas trop cheaté.
On va partir sur un petit séisme, hein. Je pense que ça peut aller. Va-t-on gagner, hein? Franchement, je sais pas. J'espère, hein. J'espère qu'on va gagner parce que si perdre si près du but, ça serait vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Allez, on repart sur un séisme. Et normalement, il crève, j'espère. Oui, nickel. Nickel, nickel, on l'a eu. On l'a eu. Or massif qui va passer niveau 57. C'est un truc de ouf, hein. Truc de ouf. Ok. Octieri, le fameux, l'ultime, le Octieri. Va-t-on réussir à le tuer? Parce que... Bah parce que voilà quoi. Octieri... Octieri sans... sans notre diamant, ça va être dur. Hein. Parce que le fameux, le Octieri qui nous a fait quand même pas mal galérer durant tout ce... durant tout ce Nuzlocke. On fait un petit séisme. Voyons voir combien de dégâts ça lui met. Un petit séisme, ok. En 3 coups, on peut l'avoir. Otazuka. Ok, parfait. On va balancer une petite potion, hein, histoire de jouer la sécurité. Parce que le Octieri, clairement, il fait mal. Hein. Il fait mal, le Octieri. Ok, le petit Buldo. Buldo, ça passe normalement. Ok, parfait. On va... on va partir sur un Psycho et un Séisme après. Parce que je pense que Psycho, ça lui met moins. Ah non, un coup critique. Oh là là, la chance les amis. La chance de ouf. Pou pou pou. Ça c'est la puissance de Or Massif, hein. Ça, moi je vous le dis, c'est la puissance de Or Massif. Et oh là là, le Rayquaza. Rayquaza les gens. C'est un truc de psychopathe. Allez, on se le fait avec Or Massif. Rayquaza. Ah bah ça, ça c'est plutôt cool parce que ça met un challenge de ouf pour le dernier combat, hein. Rayquaza quoi. C'est pas rien, hein. Clairement, on peut le dire, c'est pas rien du tout, même. Ça va être chaud. Ça va être très, 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 très chaud. Machouille. Ok, Machouille. Machouille, c'est efficacité normale, évidemment. Allez, on part sur du point météore. Il fait un Danse Draco. Attention, Danse Draco, c'est très, très mauvais pour nous. J'espère que le point météore va passer. Attention, attention, vitesse augmente, ok. C'est normal. Point météore, le point météore qui passe. Et oui, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Attention, attention, attention. Ok, l'attaque qui augmente, yes. Oh, ça, c'est bon, les amis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon, là. On est bon. Machouille, ok. Il a augmenté son attaque et pas son attaque spé. Donc, normalement, voilà, ça met pas assez de dégâts. Le petit point météore. Le point météore qui va peut-être le tuer avec l'augmentation de stats. Et attention, ah oui, ça le tue et ça augmente encore les stats. Et oui, c'est très, très bon, les amis. C'est très, très bon. On a tué le Rayquaza. Ouh là là, c'est chaud, hein. Franchement, c'est très très chaud. Oh là là, un Regice. Alors là, moi je dois vous dire, c'est le final de ouf, hein. Octieri, Rayquaza, Regice, c'est un truc de psychopathe. On va partir sur une potion, hein. Alors, notre attaque a été augmentée 2 fois, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, hein. Je pense que honnêtement, on peut se le faire. Il fait un verrouillage, il fait un verrouillage qui prépare peut-être un élécanon ou une attaque... très très puissante, donc faut faire attention. On part sur un point météore. Allez, point météore qui passe. Le point météore qui passe. Est-ce que ça va être le easy one shot? Attention. Oui, c'est le one shot, le Regice. Il est mort. Deuxième diamant de dead. Ok, donc ça c'est cool. Oh là là, franchement, on est très très bon les amis. Avale tout, avale tout. On se le fait psycho, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on va faire un psycho. Allez, psycho, psycho, j'aurais dû faire séisme, hein, vu que l'attaque elle a été augmentée. Ouais, j'ai fait une erreur, j'aurais dû faire séisme. Ouais, ça ne tue pas, séisme, ça l'aurait tué. Stockage, stockage, ok, il n'y a pas un problème. Normalement, il va se soigner, on va partir sur un séisme. Ok, il soigne, il soigne, il soigne. Séisme, normalement, ça va le tuer. Ça va le tuer. Allez, est-ce que ça le tue? On va voir ça. On va voir ça, attention. Est-ce que tu vas le one-shot? Attention. Est-ce que Or Massif a la puissance en lui? Et oui, c'est le one shot. Nickel, 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 nickel. Ok, ça c'est cool. Et du coup, le dernier Pokémon, l'ultime pour gagner la ligue. Balbuto, Balbuto, ok. C'est pas un problème. Je pense qu'on va se le faire plutôt easy même, le Balbuto. En tout cas, si, ouais, si on perd au Balbuto, ça serait vraiment la rage totale. Moi, je vous le dis, point météore.
Point Météor, est-ce que c'est le one shot? Et oui, c'est le one shot, les amis. On a gagné la Ligue Pokémon avec deux Pokémon de KO. Et ouais, franchement, on était mal parti au début, mais on est tellement bien remonté que ouais, c'était un truc de ouf. Et bah c'était plutôt épique, hein. Franchement c'était plutôt épique, on a gagné du coup les gens. Donc voilà, comme quoi XP c'est Pokémon à un très haut niveau, ne fait pas tout, hein. J'ai réussi à battre la ligue avec des Pokémon qui à la base étaient entre niveau 50 et 42 il me semble. Donc voilà, donc c'est faisable, hein. Non, impossible, mon équipe de rêve est fichue. Après en avoir tant bavé, je me fais battre, et par toi. Mon rêve de gloire disparu. C'est pas juste. Tu... Comment... Hein? Mais... Moi... Pourquoi? Wouah! J'ai entraîné mes Pokémon à la perfection. Et zut alors. Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. Alors ça, ça me sidère. Growler. Tu as gagné! Félicitations! Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. Tu as tant changé depuis ton départ avec Bulbizarre. C'était Aiko, hein, mon starter, c'était Pyroli, c'était pas Bulbizarre, mais bon, voilà. Growler, je suis fier de toi. Régis, je suis déçu. Apprenant que tu avais vaincu le Conseil 4, je suis venu en vitesse. Mais le temps d'arriver jusqu'ici... Tu avais déjà perdu. Régis, as-tu compris pourquoi ton équipe s'est fait battre? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Sans ça, tu ne pourras jamais devenir champion. Growler, tu as compris que tu dois aussi cette victoire à tes Pokémon. Le lien que tu as créé avec eux est merveilleux. Growler, suis-moi. Eh ben écoutez, c'est cool, on a... gagner la Ligue Pokémon. Ce Nuzlocke est donc remporté. Félicitations, Crawler. Cet étage est réservé au Panthéon des Dresseurs. Les maîtres de la Ligue Pokémon sont consacrés ici. Leurs Pokémon sont enregistrés en tant que célébrités. Crawler, ton périple fut long jusqu'à la victoire. Encore bravo. Toi et tes chers Pokémon, vous êtes tous célèbres. Et bah écoutez, voilà, c'est un Nuzlocke réussi. Du coup, on a perdu 3 Pokémon en tout. Mais le Nuzlocke va continuer. Le Nuzlocke va continuer parce qu'il y a des îles. Et oui, les îles Sévie qui sont après la Ligue. Et donc, on fera ça, on continuera ça dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, vous découvrirez aussi les 2 nouveaux Pokémon que je prendrai dans mon équipe à la place de Obélix et Diamant. Du coup, qui sont malheureusement morts. C'est bien dommage, hein, parce que bon, voilà, les 3 Pokémon qu'on a perdu durant ce Nuzlocke sont morts par des attaques one-shot. Ce qui est totalement dégueulasse, parce que les attaques one-shot, c'est tellement pas stratégique que c'est interdit dans les combats de stratégie, donc notamment sur Pokémon Showdown. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse de perdre des Pokémon comme ça, mais c'est la dure loi du Nuzlocke. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Pour cette vidéo qui était tout simplement épique, hein, cette Ligue Pokémon. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce Nuzlocke. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.